Sylvain! C'est bientôt Noël! C'est la période préférée de l'année, moi. Comment vous vous préparez? À partir du 1er décembre, j'écris une lettre par jour au Père Noël. Tous les jours, j'écris. Quand vous écrivez au Père Noël, vous écrivez à qui exactement? Au Père Noël. Vous postez la lettre à la poste? C'est la boîte jaune. Ok. Vous l'écrivez à quelqu'un de votre famille? Alors, je colle des images que je découpe dans les catalogues. Le jeu Simon. Tout. J'ai demandé un Nichaku. J'ai demandé un puzzle de l'armée. Destin, le jeu de la vie, pourra jouer à deux. Vous supportez de perdre, oui, ça va? Non. Faites attention avec Savannah. Jouez pas tout de suite si vous savez que vous avez du mal à perdre. Est-ce que vous faites d'autres choses? Dans la déco, là, je mets le paquet. Je lèche les cheveux. Hein. Ce que j'avais fait l'année dernière, c'est la base. Oh la vache. J'en aurais plus cette année, hein. Mais bon, comme j'ai pas encore reçu le groupe électrogène, ça suce hein, au niveau élec, donc je suis obligé de passer par un groupe électrogène. Il faut remettre tout le temps du carburant parce que ça... Même la nuit? C'est la magie de Noël. Comment vous allez fêter Noël cette année? Nos limites. De la dinde, des cailles, des déclinaisons autour de la pomme de terre. Pomme duchesse, pomme paillasson, pomme dauphine, gratin de pomme de terre, gratin dauphinois, des pommes de terre sarladaises, des rostis. Mais non, j'ai invité personne pour l'instant. Si Savannah est bien, on peut peut-être louer un Airbnb, prendre une suite parentable et... Quand vous préparez, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut faire des bonnes actions. Comme ça, on a des cadeaux parce qu'on est récompensé. Dans l'année, j'étais gentil. Je suis allé tuer des taupes. Je suis allé vider l'huile de la friteuse. Je suis allé la vider en forêt. Le mendiant, toujours devant la boulange. Je suis allé le dire à la gendarmerie. Le type aussi, là, que je vois tout le temps à Shopee, là, qui pèse des légumes. Et, alors, une fois qu'il a fait son ticket, après, il en remet. Je vais le dire au directeur de Shopee. Il va falloir continuer les séances quand même. Pour Savannah, est-ce que vous avez prévu un cadeau? C'est ma collection de pins. Alors, il y a un peu de tout, hein. Patrick Bruel. Là, c'est le drapeau. Celui-là, il valait 15 francs. Et pas d'erreur, c'est le sien. J'ai besoin qu'on clarifie un point. Le Père Noël, est-ce qu'il existe? Oui. Comment vous pensez qu'il distribue les cadeaux? Il vient pendant qu'on dort. Le soir de Noël, je prends plein de médicaments pour dormir. Je m'assure que tous les voisins dorment. Vous prenez une tablette de Lexomil? Pour être bien cassé, quoi. Je sais qu'il vient parce que je vois les traces du traîneau. Parce que comme il n'y a pas beaucoup d'élan pour s'arrêter, s'il patine à chaque fois devant chaque maison, pas facile. Je donne une carotte. Sur le Père Noël, il voit tout, hein, il sait tout. Je mets un verre d'alcool, il n'y en a plus. Vous fêtez toujours Noël avec votre tata? Cette année, non, parce qu'elle est morte. Comment il fait le traîneau pour voler dans le ciel, alors? Il prend les courants chauds, il suit... Je persigne. Une fois, j'avais rencontré le Père Noël, j'avais été époufflé. Hein. Il voit tout. Même une fois, j'avais fait pipi dans les sabots de tata. Il assure. Alors, il est venu comme ça vers moi, puis il me fait... Essayez cette année de le rencontrer, le Père Noël. Ce serait pas une mauvaise idée. D'accord. Et puis on va se revoir très vite. Vous faites quelque chose pour Noël? Je vais certainement le passer avec mes parents, à qui j'offre des cadeaux et qui m'offrent des cadeaux. En plus, les cadeaux du Père Noël, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais.